Et c'est une lunette qui va absolument à toutes les femmes. Bonjour, heureuse de vous retrouver. Ça y est, tout le monde est rentré au travail et on va pouvoir aujourd'hui parler de ce que je préfère et de ce que je sais faire le mieux, la création. Je vais donc vous parler de quatre modèles iconiques de ma collection qui sont la Daphné, la Lolita, la Hélène et la Jérôme. On va commencer par la Daphné qui est une lunette que j'aime énormément, qui est magnifique sur les femmes qui sont grandes, avec des grands visages. C'est un modèle assez grand. Cette plaque est une plaque décor à 7 que nous avons développée spécialement pour la maison Nathalie Blanc, donc vous la retrouverez dans aucune autre collection. Vous pouvez constater qu'il y a un grammage différent entre la face et les branches. Vous pouvez voir apparaître la transparence sur la branche et vous pouvez constater que sur la face, les parties d'acétate, les petits grains d'acétate sont plus condensés. Voilà, donc ce qui rend la matière plus forte. On a fait un déforçage sur la face interne de la lunette. On pratiquait un peu ces déforçages sur l'injecté, mais aujourd'hui ça ne se fait pas. Enfin, c'est la première fois qu'on faisait ça avec l'usine. Il a fallu développer un outillage spécial, une fraise spéciale pour déforcer toute la partie externe de la lunette. C'est une monture très épaisse et en fait on l'a affinée au niveau du verre, voilà, donc ça fait un creux qui lui donne un aspect de monture très années 50 que j'adore. Et puis il y a un autre petit détail, vous savez que je suis très attachée aux détails, c'est un petit rond en doublé or 24 carats que l'on a inclus dans le logo, dans le rond du logo. Donc on a développé cette petite pièce, ça paraît rien, mais en fait c'est très compliqué, spécialement pour l'inclure là. Et moi, j'aime toujours les petits détails cachés. Je trouve que c'est ce qui fait aussi la beauté d'un produit. Donc, cette lunette, en fait, qui paraît assez simple, finalement, est très compliquée à réaliser. Et je le dis souvent, ce qui est simple est ce qu'il y a de plus compliqué à dessiner. Dernière petite chose, les verres sont des verres Divel, très techniques, qui existent en polarisant sur deux couleurs. Dont celle-ci d'ailleurs, anti-reflet, durci, souvent avec des bidégradés, voire tridégradés. Et ce qui était très compliqué à faire en polarisant, qu'on a réussi, c'était la première fois qu'on sortait des verres dégradés, polarisants, grâce à Divel sur ce modèle. Voilà, très beau modèle qui fait partie de la base de la collection Nathalie Blanc. Là, je vais vous présenter le modèle iconique de chez Nathalie Blanc. Cette monture existe depuis le lancement de la collection Nathalie Blanc et elle a rencontré un tel succès que nous l'avons déclinée dans deux tailles. Donc, elle s'appelle Lolita en grande taille et elle s'appelle Hélène en petite taille. C'est un modèle très pur, absolument simple dans sa ligne, hyper confortable avec, j'ai un secret pour l'aîné, vous le savez, un nez très 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 bien fait et qui repose donc parfaitement, très confortable. Et c'est une lunette qui va absolument à toutes les femmes. Si un jour on doit faire un cadeau, offrir une lunette, celle-ci, on sait qu'elle va aller au grand visage, au petit visage, au visage anguleux, au visage plus ovale, etc. Après, c'est le choix de la couleur qui déterminera en fonction du grain de peau, de la couleur des cheveux, quel choix faire en couleur. Mais c'est une telle réussite chez Nathalie Blanc, c'est, on va dire, un modèle un peu star hollywoodienne à la Audrey Hepburn, très simple, très pur. Et du coup, eh bien, ce qu'on fait, c'est que tous les ans, on sort une ou deux couleurs différentes pour que les femmes qui sont amoureuses de ce modèle, j'ai des inconditionnels de la Lolita ou de la Hélène, puissent trouver des nouvelles couleurs en fonction des saisons et pouvoir racheter le modèle qu'elles aiment énormément. Voilà, la Hélène, elles existent. La Lolita n'existe qu'en solaire, la Hélène existe en solaire et en vue. Voilà, je vais vous montrer comme c'est une lunette simple, mais voilà, qui tombe très bien. Et puis, dernier produit, je vais vous parler de la Jérôme, qui est un modèle, on va dire, mixte, mais quand même petite tendance homme quand même, voilà. Monture rétro, petit côté vintage, avec un double plaquage. Il y a toujours dans mes lunettes, quelque part, une petite complexité. Là, on a fait un double plaquage, donc c'est des plaquages qui sont faits spécialement pour la maison Nathalie Blanc, avec, vous pouvez le voir, une couleur sable à l'arrière. Et dessus, on a mis un ton beige, plus beige, un peu gris,
Qui lui donne cette complexité de couleurs, de reflets en fonction de l'angle avec laquelle vous la regardez portée par la personne. Voilà, donc modèle très simple, très pur, toujours pareil, un peu vintage, très aimé par les hommes. C'est le modèle Jérôme, et porté aussi par des femmes qui ont des grands visages, pareil, mais très très élégante, très simple. Alors cette couleur-là, bien évidemment, va être plus jolie sur un visage de blonde, un homme ou une femme aux cheveux blancs, une peau claire. Ce sont des tons plus difficiles et plus durs sur les brunes, sur les peaux foncées, voilà. Donc voici mon dernier modèle présenté aujourd'hui, la Jérôme. Et je vais revenir très vite pour vous présenter d'autres modèles. Vous pouvez voir aussi, j'en profite, mes petites pochettes de voyage, voilà, que nous venons de sortir dans des nouvelles couleurs. Celle-ci en vert. Et nous l'avons sortie dans 6 couleurs, bleu, jaune, curry, rouge, un marron, voilà, très classique mais très joli aussi, avec une petite fermeture pour pouvoir mettre vos lentilles ou vos chiffonnettes, voilà. Eh bien, je vous retrouve très vite pour une autre présentation de mes produits. Merci beaucoup, bonne journée.